Comme vous le savez, il y a quelques mois après le Japon, j'ai repris le sport. Pour la simple et bonne raison que le Japon, ça avait beau être un arc de fou, là-bas, on mange bien. Et vu qu'on mange bien et que j'étais accompagné de mes potes plus pas de sport, ça fait que j'ai pris du poids et que j'étais très gros. Je le suis toujours, mais je l'étais encore plus. Et je pense que si vous allez regarder un vlog de l'époque, ah, les images ne me font pas honneur. Donc sorti du Japon, j'ai repris le sport, je me suis motivé et cette fois, ça a tenu. Ça a tenu parce que j'ai commencé par du renforcement musculaire et un peu de marche, d'accord? J'étais incapable de courir. Ensuite, marche et un peu de course. Puis ensuite course, et puis ensuite j'ai pris goût à la course. 1 km, 2 km, au fur et à mesure, j'ai commencé à repousser mes capacités et à être capable de courir petit à petit 5 minutes, 10, 15, 20 minutes, et ce, jusqu'en octobre, où j'ai pu ponctuer tout ça par une course de 5 km à Paris. D'ailleurs, c'était pas octobre, c'était fin septembre, et c'était une première fois que je me faisais un petit défi physique, ce qui m'a permis également du coup de perdre du poids. Mais j'ai fait tout ça sans être vraiment suivi, ou en tout cas suivi par des professionnels et par un réel encadrement. J'ai eu un petit partenariat avec Fitness Park, mais c'était tout. En général, je faisais tous les efforts et tous les programmes un peu moi-même. Dans la foulée de cette course, faut savoir que j'étais un petit peu paumé, voilà, je commençais à retomber un peu dans mes travers. J'allais toujours un peu à la salle, j'allais toujours un peu courir, mais j'avais pas d'objectif en fait. Et quand t'as pas d'objectif, faire du sport dans le vent, ou en tout cas juste pour soi-même, à des moments, ça fait que tu as des niveaux de motivation qui font haut, bas, ça fluctue. Et c'est là où France TV sont venus. France TV sont venus et ils m'ont proposé un défi de fou, un défi qui fait peur, celui de pouvoir courir un marathon, celui des Jeux Olympiques de Paris 2024. Oui, on passe de 5 km à un marathon. Sachez que je suis extrêmement effrayé. Au début, ça m'a fait peur. Je m'étais dit, c'est mort, je vais jamais y arriver. C'est beaucoup trop difficile, je suis beaucoup trop lourd, beaucoup trop gros, et puis surtout, ça demande beaucoup de temps. Et puis au fur et à mesure, je me suis dit, ok, d'accord, ça peut te donner un nouveau horizon, un nouveau défi. Chose que tu t'es jamais vraiment imposé toi-même, de défi physique sur ta chaîne et tout. À part une sombre vidéo avec Thibaut InShape en 2015, mais bon, parce que les plus anciens qui s'en rappelleront, c'était autre chose. C'était pas du vrai sérieux. Et là, je me suis dit, c'était l'occasion de peut-être justement mettre les pieds dans quelque chose de sérieux, quelque chose avec un vrai encadrement. Et donc, nous y voici. Premier épisode d'une série sur ma chaîne qui va suivre un petit peu mes progrès en vue du marathon des Jeux Olympiques qui aura lieu mi-août. Donc maintenant que j'ai dit tout ça, je pense que c'est parti, on va aller s'entraîner. Let's go. Aujourd'hui, on va faire les vraies choses. Écoutez ça. Bon, Isaac, le concept, en fait, il est très simple. Petit footing d'échauffement, 20 minutes, pour bien te réveiller. Tu fais des petites lignes droites pour faire monter un petit peu le cardio. Et après, le but, c'est que tu fasses un 6 minutes à fond. Il faut absolument que tu aies soit une montre GPS, soit sinon sur une piste, c'est encore mieux. Parce que la piste, elle fait 400 mètres. Comme ça, tu peux exactement mesurer combien de tours tu fais en 6 minutes. Et le but, c'est de calculer la distance au bout des 6 minutes. Donc, ça va te faire, par exemple, si tu fais 3 tours de piste, ça te fait 1200 mètres. Puisque la piste, elle fait 400. Si tu fais moins, tu calcules où est-ce que tu t'as arrêter. Et comme ça, ça permettra d'avoir ta VMA. Donc en fait, il faut juste que tu fasses un 6 minutes le plus vite possible et que tu me dises combien de distance t'as fait. Ça ressemble fortement à ce qu'on appelle un test de VMA. Dorian, qui est mon coach, c'est quelqu'un qui a déjà l'habitude de faire des marathons, qui en a déjà fait. Donc du coup, c'est lui qui va me suivre vraiment une fois ou deux par mois en physique. Mais à côté de ça, j'ai quand même 3 séances par semaine à faire de mon côté, tu vois. Et donc ça demande quand même une certaine rigueur. Et aujourd'hui, bah voilà, c'est le test de VMA. Donc un petit 20 minutes d'échauffement, quoi. Petit footing tranquille. 5 minutes un peu plus chaud pour faire monter le cardio. Et après, on va enchaîner les tours de piste. 6 minutes pour voir où est-ce que je peux, quelle distance je peux faire au maximum. Aïe aïe, j'ai pas prévu de finir mort comme ça. Hein. Fait froid frère, t'as pas menti hein. Je vais aller m'entraîner avec ce froid, ce vent. Ouais, c'est vrai que je vais réchauffer le corps, tu vois, mais vivement, tu sais, la période printemps. Celle où tu vas courir avec une brise légère et un peu de soleil, parce que là, le pire c'est que je suis un schlag. J'ai pas de gants, j'ai pas de flow, pas de meuf. Non, si, j'ai une femme. On va essayer d'aller à un endroit où j'ai jamais couru encore. Le stade Didier Drogba de Levallois-Perret. J'habite à Clichy et donc c'est pas très loin. Donc on va voir si le stade Didier Drogba est accueillant. Avant, il y avait une mosquée à côté. Et en fait, elle a été déportée un peu plus sur le côté. Et ça me faciliterait mon test de VMA parce que une piste, on connaît à peu près la distance. Ça permettrait de pouvoir tourner en rond comme ça, de manière efficace. Donc les amis, comme vous l'avez entendu dans le message de Dorian, nous allons aujourd'hui faire un test de VMA. Le but est de pouvoir un peu déterminer à quelle vitesse maximale je suis capable d'aller, surtout sur une durée. Donc on va commencer gentiment avec 20 minutes, petit footing, tranquille, échauffement, juste histoire d'activer un peu le corps. Peut-être y aller aussi sur la fin un peu plus vite, histoire de faire battre un peu le cœur. Et ensuite, on aura 6 minutes pour faire le maximum de tours de terrain. Et la piste, qui est assez grande, fait 400 mètres au total. Et bah, le but, ce sera de voir combien est-ce que je peux faire de tours de piste en 6 minutes en essayant d'adopter un rythme convenable. Voilà. T'es parti est-ce que t'es prêt mon gars Kézia? Moi je suis prêt. Moi c'est la première fois que je fais un test de VMA. Donc j'ai envie de voir ce que ça va donner. Anecdote réelle, au bac j'avais course, je suis allé faire un fake certificat médical et j'ai fait piscine. Allez vas-y, c'est parti.
On arrive à la fin. Ah, ah là là, du coup, petit échauffement, gentil. Pensez-moi à faire acheter des gants, parce que là, je vous jure, j'ai extrêmement froid. Mais pour être sûr de la distance, effectivement, cette piste, je me disais bien, elle ne fait pas 400 mètres. Elle fait, et je l'ai vu parce que j'ai activé Strava, la petite application là qui mesure et tout ça, elle fait 250 mètres. Ce qui fait que de distance, je vais faire en 6 minutes. Bon, les amis, 20 minutes d'échauffement, on va dire à peu près 2 minutes de quoi faire monter le cardio. Je me suis un peu reposé. On va repartir, voilà. Et cette fois, on va y aller plus intelligemment. 3, 2, 1... Le test VMA, en fait, il va nous servir à savoir quel est ton niveau actuel et pouvoir derrière calibrer les allures sur ta séance. En gros, ta VMA, dis-toi que c'est ton moteur. Plus tu as un gros moteur, plus tu peux aller vite. Et bah, c'est pareil avec la VMA. Plus tu vas progresser, plus ta VMA, elle va augmenter. Et du coup, plus tu seras capable de courir vite. Les amis, les résultats sont tombés. VMA de 11, plus précisément 10,7, parce que j'ai fait 1070 mètres en 6 minutes. J'aurais peut-être pu viser un peu plus, mais c'est pas un concours de performance. Moi, mon but, encore une fois, le marathon, c'est pas d'y aller vite, c'est de le finir, ok? On refera des tests VMA, tu sais quoi, des points intermédiaires, tu sais, toutes les 6 semaines, un truc comme ça, pour voir si c'est monté ou quoi. Mais, en tout cas, content d'avoir pu le faire. C'est un autre jour, aujourd'hui, nous sommes le vendredi 12 janvier, exactement, vendredi 12 janvier. Et entre-temps, depuis la première séance, j'ai reçu mon alimentation, parce que je vous avais dit que j'étais suivi en termes de coach, je vous ai parlé de Dorian, mais je suis également suivi par Alix, nutritionniste, et ce qui fait que le nutritionniste donne un chef qui me livre des plats. J'ai commencé à les recevoir, je vous en montre un, et à la fin de la séance, on en mange un. Donc je vais vous montrer des exemples de ce que je mange dorénavant. Attention, c'est de la vraie bouffe pour piaf, mais c'est bon. Merci à mon frère Saleh qui me les fait et qui me tarek, hein, qui me livre chaque semaine. Je vous montre des exemples. Donc c'est des plats qui sont concoctés avec la nutritionniste. J'ai le droit à un plat par repas, plus ici et là pour la collation, un peu de skyr, un fruit, une petite poignée d'amandes, voilà, par exemple. Ou alors de temps en temps, si vraiment j'ai une grosse faim, je peux me faire une petite salade. Voilà, comme ça, vous avez vraiment le panorama complet. Un exemple, ça je l'ai mangé plusieurs fois cette semaine et j'ai bien aimé, c'est un volume de 25% de protéines, 25% de genre pâtes, riz, féculents, voilà, et 50% de légumes. Donc comme vous le voyez, des gros brocolis avec un peu de poulet curry, voilà, et juste en dessous, écrasé de pommes de terre. Voilà à quoi ça ressemble. Et c'est vrai que quand je vous montre ça comme ça, on dirait que la quantité est pas si folle, mais croyez-le ou non, ça fait 3-4 jours que je suis sur ça, ça me remplit. Je prends plus de temps pour manger, donc je, habituellement, sans mentir, je vais vite, hein. Je suis quelqu'un qui mange vite. Là, je prends un peu plus de temps, j'y vais plus doucement, ce qui fait que si je mange ça, par exemple, à 13h, j'arrive à tenir sans trop de difficultés jusqu'à 18-19h sans remanger. Ou alors, vers 17-18h, je vais prendre, comme j'ai dit, une banane, tu vois, ou alors une petite poignée d'amandes, et après, je peux tenir jusqu'au dîner, 19-20h. Donc voilà un premier exemple. Un deuxième, quand même, histoire de pouvoir varier, parce que, en gros, je reçois 12 plats par semaine, ce qui me fait 6 jours, et j'ai gardé un jour pour pouvoir... Tu connais, tourner des vidéos, être avec ma femme, cuisiner, enfin bref, tu vois, vivre la vie, quoi, tu vois. Un deuxième plat, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, cette fois, c'est haricots verts. Encore une fois, poulet, je vous cache pas, les plats au bœuf, que ça et tout, je les ai déjà mangés. Et juste en dessous, tu vois, du riz, poulet tandoori, si je dis pas de bêtises, avec des petits oignons, gros volume de légumes. Bon de ouf. T'as vu, ça sent bon, hein, c'est pas mal, hein. Et avec du riz. Donc juste après, vous savez ce qu'on va faire, on va aller s'entraîner là, et juste après la séance, parce qu'on est le matin, tranquillement, j'ai mangé une petite banane, d'ailleurs il m'encourage à manger le matin, chose que je ne fais jamais habituellement, moi je suis pas un mec qui mange le matin, mais il m'encourage à manger un peu le matin pour peut-être à des moments être calé plus facilement le midi et activer un peu le corps. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller s'entraîner, donc j'ai mangé une petite banane juste avant. Après l'entraînement, donc on est aujourd'hui sur, comment ça s'appelle, du fractionné, voilà, donc ça va pas être facile. Et juste après l'entraînement, on va se cuisiner une de ces petites merveilles, enfin cuisiner, réchauffer. Les amis, après un bon échauffement, on a essayé de courir un peu dehors, on s'est dit pourquoi aller loin. J'habite à Clichy dans le coin, donc on va faire sur cette place. On va tourner en rond et c'est une séance, comme j'ai dit, un peu de fractionné. Donc c'est du 2 x 7 x 1 minute avec 45 secondes de récup. Qu'est-ce que c'est 2 x 7 x 1 minute avec 45 secondes? On dirait du charabia. Je vous la fais globale. Une minute où je vais avec une certaine intensité, le but c'est pas de me cramer non plus, et 45 secondes de récup où je trottine, je peux limite un peu marcher. Et re 1 minute, et re 45 secondes. Et re 1 minute, et re 45 secondes. Ça, 7 fois. Ensuite,
3 minutes de pause et ressa cette fois. Ce qui est quand même assez intense. Et puis après, on rentre à la maison, vivre le repas telle une récompense. Voilà. Donc on va repartir. J'ai ma montre cette fois. Voilà, regardez. Hop là, donc là, 2,53 km, c'était... En 20 minutes, c'était l'échauffement. On va reprendre ici sur Strava pour la forme. Hop, reprendre. On va reprendre également ici. 15 secondes, je vais trottiner histoire que ce soit rond. J'aime les chiffres ronds. Voilà, reprise d'enregistrement. Hop, 15 secondes. Voilà, allez. 15 secondes et à 21, j'accélère. Pourquoi je me suis embarqué dans ça? Avec des gros gants. On est là. Ça fait 4 fois déjà. Ça va vite mon pote, hein. 5 secondes. Oh. Fin de la première série. Ça va... C'est moins dur que ce que je pensais. Et c'est là où je vois que les progrès ont été réels. Ça fait techniquement à peu près 30 minutes que je cours entre échauffement et fractionné. Niveau cardio, je suis carrément OK. Alors il y a eu du ça alors que là, il est un peu... Bon, je sors de ma série, mais en vrai, ça va. Et pareil, pas trop de douleur. Genre jambes, articulations, genoux, c'est très bien. Et je vois que mon corps s'habitue très vite. Pour vous donner un peu une idée, il y a 10 jours, j'avais fait mon premier footing d'une heure. Le lendemain, mes jambes, fallait pas me demander de faire une marche d'escalier. Et le surlendemain, ça allait mieux. Et après, voilà. La deuxième fois que j'ai fait une heure, j'avais un tout petit peu de douleur au bas le lendemain, mais après ça allait. Et il y a en début de semaine, donc là on est vendredi, en début de semaine, donc mardi, j'ai fait une heure de footing, le mercredi, aucun problème. Donc dès la troisième fois, mon corps s'est habitué, ça fait plaisir. Donc là, comme j'ai dit, entre les séries, 3 minutes de pause, ça fait déjà 1 minute 30. On va refaire après derrière cette série à nouveau. J'essaye de maintenir un rythme à peu près constant, autour de 5,30, 5,50 du kilomètre, ce qui fait à peu près 11 km heure. En soi, je suis à ma VO2 max, tu vois. Après, j'ai 45 secondes où je trottine un peu tranquille. Et voilà, répétition des efforts. Entre footing long et voilà, on alterne sur des choses comme ça, c'est plutôt pas mal. Et là, même si c'est pas pour faire le mec, mais par exemple, là, j'essaie de rester en mouvement, tu vois. Je reste pas... Ouais, tu vois, je reste pas... Statique. Statique, exactement, tu vois, je m'assois pas. Je reste un peu en mouvement. Là, par exemple, c'est dans une minute, je suis prêt à repartir, tu vois. Donc voilà. Et pour ces gants, le test de VO2 max, j'étais congelé des mains. Je ne les sentais plus. Je suis allé sur Amazon, j'ai tapé gants anti-froid. Je suis tombé sur ça. Il y avait de bons avis. Je vais dans les commentaires que des gens qui disent « Ouais, moi au chantier, j'ai mis ces gants et j'avais plus froid. » J'ai dit « Ah ouais, t'as pas froid au chantier ?» Eh ben, j'aurais pas froid en courant. Donc le flow est pas là. On dirait vraiment un manutentionnaire. Mais j'ai pas froid. Au final, n'est-ce pas ce qui compte ? Regarde, j'avoue, on dirait vraiment un manutentionnaire de fou. C'est vraiment... Pourquoi livreur pas Amazon. Livreur Amazon, mais force au livreur Amazon. Le métier est pénible, chiant et très demandant, donc respect. Moi aussi, j'étais de ces cons qui disaient « Mais non, vous montez chez moi !» Maintenant, on descend chercher le colis. 5 secondes. Et ouais. 3, 2, 1... La dernière. C'est sportif. Là, je suis censé être dans mes 45 dernières secondes de récup, mais c'est un genre d'effort un peu différent. C'est pas de la course longue, c'est vraiment de l'accélération, plus bas, accélération, rythme plus bas. C'est pas la même chose, tu vois. Une heure de footing à rythme plus lent, c'est plus long, mais c'est moins difficile. Mais encore ça va, aujourd'hui, je m'attendais à un peu pire. Mais je pense que j'ai bien géré. Peut-être que j'aurais dû accélérer, mais après, c'est que la deuxième séance du style que je fais. Et vu que j'ai 7 mois pour me préparer, je préfère me laisser le temps plutôt que d'accélérer un coup. Ce qui me permet en plus de discuter d'un truc, c'est que jusque-là, pendant plusieurs mois, je courais vraiment que sur tapis. J'aimais pas du tout courir dehors. Et en fait, maintenant, c'est l'inverse. J'aime plus courir sur tapis. Genre, il y a un peu une semaine, j'ai dû faire une heure de course sur le tapis. Un enfer, parce qu'il faisait trop froid dehors. Là, par exemple, dehors, je préfère. En fait, les variations de terrain, l'environnement et tout, je préfère. Alors là, je tourne au rond autour d'un kiosque. Hein. C'est pas la folie non plus, on va dire, en termes de décor. Mais c'est plutôt pas mal. Voilà, c'est bon. En termes de récupération, on est good. Donc, on a couru à peu près 5 km au total, ce qui est quand même correct pour aujourd'hui. Avec du coup, une séance à 20 minutes d'échauffement, tous les tours là. Et effectivement, j'ai aussi un petit 10 minutes de retour au calme.
que je fais habituellement en marchant ou en trottinant un peu. Donc là, je vais le faire en rentrant chez moi. Mais surtout, je vais le faire parce que j'ai un vol, les amis. Je dois aller à Berlin. Il est 11h47 et j'ai le vol à 14h. Donc, on adore le risque. On va rentrer, on va se doucher en taf-taf. Je vais cuisiner, je vais manger et je vous dirai dans les commentaires si j'ai eu le vol. C'est parti. Les amis, après l'effort, le réconfort, voilà, le fameux plat, la fameuse bouffe pour piaf. Donc voilà, niveau quantité, en vrai, c'est quand même correct, je vous le dis, c'est solide. Et réellement, il n'y a pas de meilleur repas que celui après, justement, avoir fait un effort, où c'était quand même assez cool, j'ai apprécié. Et un truc que j'ai envie que vous suiviez pendant cette série, donc je pense que c'est une série qu'on peut faire un peu toutes les deux semaines, à peu près, genre un ou deux épisodes, peut-être trois, si jamais on a beaucoup de choses dans le mois. Et forcément, c'est la perte de poids. Parce que quand j'ai repris après le Japon, je faisais plus de 120 kilos. J'ai perdu jusqu'à en revenir aux alentours de à peu près 110, 111 et après j'ai eu un laisser-aller de un mois où je suis remonté vers 114, 115, donc un peu plus un mois. Donc bref, vous avez capté, les kilos sont approximatifs. Et là, j'ai refait attention depuis courant décembre. Et donc du coup, pas de triche dans la série, on va suivre à chaque épisode à la fin la pesée. Ça permet de pouvoir voir où est-ce qu'on en est. Donc, comme je vous ai dit, en reprenant un petit peu l'entraînement et tout, 114, 115, donc c'était il y a à peu près un mois, je dirais. Donc voici la balance. Alors, je suis habillé, hein, j'ai voilà, un gros pull et tout, donc on va coûter allez, 500 grammes tête de vêtements. Un truc à ça, c'est parti. 113,1, on se dit 112 et des brouettes. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je redescends aux alentours de 110 kilos. Et mon but, c'est de réussir à passer de ces 112 kilos à en dessous de 100. Parce que imaginez, à chaque pas, mon corps porte ce poids. Et si, après avoir perdu du poids, mon corps n'a plus que moins de 100 kilos à porter, c'est-à-dire plus de 10 kilos de moins. Tu vois ce que je veux dire? À chaque foulée, 10 kilos de moins que maintenant. Ça ferait vraiment une différence énorme. Et je pense qu'en termes de choc, mais en termes de santé, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc les amis, on va terminer gentiment. J'avoue que je mentirais si je disais que je n'ai pas enlevé la casquette pour perdre 50 grammes. Et c'est le moment à moi de vous souhaiter une bonne fin de vidéo et à la prochaine. Ciao, ciao.